Je me suis bricolé des pochoirs avec des trames de pointillés et ça va me servir pour faire l'arrière-plan. J'aime bien, je travaille beaucoup mes dessins en 2D. Je m'appelle Alexis Carpentier et je suis céramiste et ma passion c'est la céramique. J'étais pas du tout destiné à ça et c'est au fur et à mesure en CAP j'ai rencontré une prof qui nous a montré l'art dans sa globalité et là je suis un peu tombé amoureux de. En allant voir les gens de l'école de Nice, quoi, au Mamac, en rencontrant des Niki de Saint-Phalle, César, des gens comme ça, où je me suis dit, ouais, l'art c'est chouette. Ça me fait une bonne toile vierge aussi pour composer des trucs. J'aime bien le format de. Quand on la voit comme ça, ça fait un rectangle, donc j'aime bien quand réfléchir mes motifs de manière à ce qu'on voit là, ce soit impactant et quand même avoir des trucs qui se finissent, qui se continuent un peu parce que ça reste quand même un volume. La bombe, c'est un outil qui sert à décorer les murs, mais moi je trouve ça intéressant que mes pinceaux, du coup, ça devienne mon outil pour décorer les bombes, où du coup je viens caresser la bombe avec mes pinceaux, un truc beaucoup plus délicat que normalement c'est un outil qui est brut, qui est fait pour être un peu malmené. Moi j'aime pas trop l'art. Qui se la raconte où il faut avoir des milliers de références pour comprendre ce qu'on voit. Moi j'aime bien le truc de si on voit et qu'on aime, c'est très bien. Valoris c'est une évidence, terre d'accueil de Poitiers quoi. Plein de jeunes d'autres horizons, de nouvelles personnes aussi du 109 qui arrivent et pas spécialement de la céramique, ça je trouve ça cool.